Bonjour à tous, vous êtes de retour avec nous pour un autre épisode de la série 7 Days to Die. Alors aujourd'hui, le plan est assez simple, je vais aller refaire une autre petite visite au Wasteland ici. Donc je vais essayer d'arriver par l'autre côté pour possiblement trouver des endroits différents que j'ai pas vus. Donc je vais courir, je vais seulement courir là-bas en ligne droite. Et je voulais vous montrer aussi que j'avais commencé à cuire les métals que j'avais récoltés dans la mine. Donc il me reste seulement un métal ici, un iron, et j'ai pour l'instant 64 plus 6 iron ingots et 11 lead ingots. Et j'ai aussi une tonne de scrap qui va attendre pour plus tard si j'en ai besoin. Ici j'ai 36 lead qui est en train de cuire, ici j'ai 13 iron qui reste et 12 iron qui reste. Puis il y en a encore à peu près 7 ici qui vont se faire, donc... Je devrais avoir bien proche d'avoir deux stacks à peu près de métal, de iron ingot. Donc c'est fantastique. Oui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une petite visite. Je me suis équipé avec tout ce qu'il me fallait, excepté quelque chose que je viens de voir que j'ai pas en grande quantité, qui est la nourriture. On va faire le plein avec ça ici. Qui n'a pas d'odeur, fantastique. J'ai 4 bières pour courir plus longtemps. Et c'est ce qui... sonnera le départ pour la grande ville aujourd'hui, encore une fois, pour explorer un peu. Encore une fois, j'ai un problème de framerate un petit peu étrange. Je vais vérifier ce qui se passe et arranger tout ça pour monter à 60 frames et je reviens tout de suite. Et nous sommes de retour. Je suis maintenant aux portes de la ville et j'ai aperçu au loin, juste un petit peu avant de commencer à enregistrer, qu'il y avait un shotgun Messiah juste au coin ici. Puis je me suis fait un coffre pour mettre certains trucs que j'utiliserai pas tout de suite là-dedans pour faire un peu d'espace. Donc je garde juste le nécessaire sur moi. Ça c'est des loots que j'ai pognés. J'ai tué un chevreuil, j'ai tué quelques zombies. Et on est prêt maintenant à affronter cette ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Donc le shotgun Messiah qu'on voit l'affiche juste ici. On a un policier que je vais abattre à l'instant. Est-ce que je peux le toucher d'ici? Et voilà. On va essayer d'y aller un peu furtivement, histoire de ne pas être trop détecté. Donc le framerate semble être pour le moins amélioré. Je sais pas si je dirais pas résolu. Donc j'ai dû rebooter mon ordinateur au complet pour être sûr. Ça semble être un petit peu plus jouable comme ça. On a une station-service avec de l'essence qui peut être pratique. Est-ce que ça me fait mal, ça? Non. Donc, je vais y aller de méthode de... Ah, j'ai un policier, c'est vrai. Où est-il? Je l'ai tué quelque part ici. J'ai vu qu'il y avait un chien qui s'en venait. Et je pense que le policier a despawné ou j'ai juste perdu où il était. C'est pas si grave et le chien va mourir. Adieu! Bon. Alors, comme je voulais faire, c'était entrer ici pour récolter l'essence. Tout se fait ramasser aussi le scrap iron. Donc, de l'essence, de l'essence, de l'essence. On va jeter un petit coup d'œil là-dedans. Présentement, je suis hunted. Sûrement un des zombies qui est ici. On va l'éliminer. Non détecté, fantastique. On va pouvoir faire notre chemin en dedans là, sans être dérangé. Oups. Prendre encore un peu plus d'essence. C'est toujours utile pour miner et pour faire tout plein de choses. Ça ici, on va jeter un petit truc là-dedans. Toujours utile. Locker. Toujours utile. Le brass est très important parce que c'est une ressource non renouvelable. Papier. On va rentrer ici maintenant. On va défaire la planche la plus solide pour commencer. Et voilà. Donc on reste toujours en sneak mode. Ça, ça peut rester là. Urban Combat, j'ai forcément ça. Les pages peuvent rester parce que les livres donnent beaucoup de pages à eux seuls. Donc j'ai l'accès au toit ici.
Deux réfrigérateurs absolument inutiles. Je vais aller voir le toit. Il devrait avoir un sac ici, ouais. Non, je voulais pas ramasser ça. Cooking pot peut se défaire assez facilement. Ah, métal. Voilà. Cupboard, un peu de nourriture peut-être. Nope. J'ai fait, hein? Absolument rien. On a l'échelle sur le coin ici. Supposément. Peut-être des médicaments. Toujours utile. Oh wow, 14 cafés. On va prendre ça, évidemment. Sur le toit, il n'y a pas grand-chose souvent d'intéressant, à part des climatiseurs avec du métal. Je suis toujours pas détecté. Et on voit que le shotgun Messiah, c'est un gros. On n'en a pas encore vu. Ils sont beaucoup plus grands que les que ceux qu'on a vus dernièrement, en fait, au début. Ceci... On peut prendre le ton. Et maintenant, on va pouvoir sortir par où on est entré. Ou peut-être de l'autre côté. Hunted. Par qui? Ok. J'ai aucune idée qui m'a vu, mais on m'a vu. Donc, on va d'abord se défendre. Allez hop! J'ai vu un policier. Connard. Wow, il manquait un coup, évidemment. Est-ce qu'il y a une façon que je... Oh, de l'huile. Du pétrole, plutôt. La voiture. Toujours vérifier les voitures. Pour... Ow. Je vais essayer d'éliminer un peu les merdes qui sont ici, sans faire trop de bruit. J'avais un policier tantôt, mais je sais pas, il est rendu où. Donc on a un crawler qui s'en vient. Ouh. Ouh. Le policier devrait être quelque part là. Policier! Aucune idée où il est rendu, mais bon, on va juste faire comme s'il n'était pas là et s'en aller dans le shotgun Messiah. Ouh. Ça a pas dû faire du bien. Oh shit! Je l'avais même pas vu ni entendu. Un petit bleeding, fantastique. On vient de trouver le policier, au moins c'est la bonne nouvelle. Oh wow. Un autre. Ok. Je pense qu'il m'a même pas vu. Effectivement, j'ai été inaperçu par ce connard. Wow, 10 sandwichs, fantastique. Ah, j'ai déjà encore l'effet de la bière. Pourquoi l'effet de la bière est encore affiché comme ici, puis j'ai pas vraiment l'effet de bière en fait? C'est un peu gossant, parce que là si j'en prends un autre, je vais avoir un effet négatif, je crois. Ok, la porte la moins résistante semble être celle-là. Allez hop!
Donc, je sais qu'il restait encore un policier à quelque part, pas très loin, dans les parages. D'ailleurs, je pense qu'il est justement là. Et merde. La cavalerie arrive. Donc, c'est parti, on va tout détruire. Policier, encore des sandwichs de merde. Putain de stun. Ils doivent absolument pas détruire les caisses. Policier, je vais essayer de vérifier voir ce qu'il y avait. Oups. Shotgun de merde. Merci pour le métal. Je sais pas si utiliser le shotgun, c'est une bonne idée. On va essayer de se cacher un peu à quelque part. Ça, c'était un chien, je crois. Il doit pas être très très loin. On le voit dans la fenêtre. Salope. Wow. T'es quoi toi? Un autre walker. Ok, il y avait une couleur étrange. Bon, on va essayer de récolter quelques caisses. En mode urgence, parce qu'on est un petit peu overrun. SMG Barrel que j'ai déjà en grande quantité. Pas de caisse. Une caisse ici. Rien d'intéressant. Ouf. Sniper. Allez hop, come on! Bonjour sniper. En mode d'urgence encore une fois. Salope. Manqué. Policier me donne des munitions. Merci beaucoup. Et on va maintenant entrer dans la... Oh, il y a un safe là. Oups, ça va aller mieux si on recharge. Donc le plus grand shotgun Messiah, un star, un backstar comme ça. Avec un champ de tir. Je vais essayer... je pense que j'aurai pas le temps d'ouvrir ça. Peut-être. Définitivement pas. Peut-être cette fois, 15 secondes, est-ce qu'on va mourir? Ça semblait plutôt proche. On va se prendre encore quelques painkillers. Absolument rien. Ce que je pourrais faire, c'est... Ah, je voulais essayer de traverser là, mais c'est pas possible. Je vais faire une petite vérification. Il est assez loin pour que je l'ouvre. C'est parti! Come on, quelque chose de bon. J'ai récolté un deuxième sniper, ce qui est une bonne chose, que je vais pouvoir prendre une des pièces. Et je pense que je vais pouvoir faire des moules pour en faire indéfiniment. Come on! Absolument rien de bon, fantastique. J'adore ça. Salope. Donc, les zombies semblent être pas mal tous dans le coin ici, donc ils vont me donner la chance de pouvoir aller explorer là-bas. Un de moins. Donc, la porte principale, je crois que c'est celle-là ici. Donc,
On va ouvrir ça. Il y a un zombie. Il y a un... Oh merde, lui je vais le tuer absolument pour pas avoir une horde dans le cul. 5 caisses. Absolument rien de bon. Absolument rien de bon. Absolument rien de bon. Fantastique. Merci pour toutes ces bonnes choses. Donc il y a un chien pas trop loin d'ici quelque part. Est-ce que j'ai des caisses que j'ai oubliées? Peut-être à l'avant, c'est la salle de bain. Peut-être à l'avant, d'un fois, il y en a dans les petits comptoirs ici. L'autre côté, peut-être. J'en ai une là. Je vais vérifier pour de l'eau ou de la bière. Et merde. Les putains de chiens. Il y en a un dehors encore. Et je pense qu'avoir l'heure qui est maintenant 18h, je vais me rediriger pour la sortie de la ville, je crois, éventuellement. Par contre, il me reste une caisse et je veux vraiment l'ouvrir. Seulement rien bon, fantastique. Donc le chien va nous suivre. Il devrait être là. Tout est mort. Donc, encore du bleeding. Comme je l'aime. Il y a beaucoup de chiens ici, on dirait. Ça tient occupé. Derrière, tout est sous contrôle. On va sniper le chien. Où est-il? Ouh. Il semblerait qu'il m'ait abandonné. Le policier, long shot. Merde, le chien m'est déconcentré. Salope. No scope. Oh. Il a un petit peu volé loin. Excellent! Du miel! Donc, je pense qu'il y a eu au moins une horde. Qui a été spawné par les screamers. Excellent. Est-ce qu'on a vu autre chose qu'on n'a pas vu visuellement? Pas vraiment. Je vais peut-être faire un petit tour par là, voir si je peux peut-être trouver le bout de la ville, voir quelle grandeur est là, avant de terminer l'épisode. Donc on voit encore des buildings, c'est bon signe. J'ai un chien métrousse. Donc j'ai une autre station service, je crois. Donc le chien est plus facile à tuer en ligne droite que dans les débris. Donc station service ici encore une fois. Est-ce que je peux récolter quelques bonbonnes d'essence avant de partir? Manqué. Réussi. On va aller récolter ce qu'il y a. Sûrement des munitions. Ou des sandwichs. Shotgun de merde. On va récolter les barils. Et je pense que c'est ce qui mettra fin à notre excursion d'aujourd'hui. Parce que le temps, ça fait rare. 18h15 déjà. On va prendre le métal. Toujours plus de métal. Livre, toujours efficace aussi, toujours utile. Et j'ai... Oh merde. Oh non, je suis déjà allé, je pense. C'est quoi ça? Magasin d'outils, je pense que je suis déjà allé, non? On va le savoir si on voit que la porte est ouverte. Adieu. Headshot. Est-ce que c'est ouvert? Oui, je suis déjà allé. Merde. Faux espoir. Sandwich. What the f... Depuis quand les chiens font plus aucun son, je pense que c'est le temps d'utiliser notre fameux medkit. Bonjour la vie.
Un peu de nourriture va faire du bien aussi. Toi, t'es morte. On va aller voir ce que le policier avait et on se pousse d'ici. Alors, merci d'avoir regardé. Shotgun standard, toujours pratique. Merci d'avoir regardé. Alors, on se retrouve demain pour la suite. Je vais peut-être commencer à travailler sur ma base parce que c'est le jour 6. Et que si on veut avoir une bonne chance de décapiter la horde du jour 7 et les zombies du jour 7, il va nous falloir une bonne défense. Présentement, ma défense est quand même impotable, mais c'est pas la meilleure qu'elle pourrait être. Alors, je vais commencer à travailler sur la défense version 2. Alors, est-ce que j'ai ramassé les barils ici qui traînaient? Oui. J'en ai 7. Magnifique. Alors, on se retrouve demain pour le début de la construction de la défense version 2. Alors, merci d'avoir regardé et on se retrouve pour la suite. Ciao!